Vas-y, vacances, handicap, atout sportif international. Est né en 1993. Le but de l'association, c'est vraiment de partager des loisirs ensemble, personnes valides et personnes handicapées. Des loisirs sportifs ou culturels. Notre association se portait très bien avant le Covid. Nous avions 250 adhérents, un local de 650 mètres carrés que nous partageons avec une vingtaine d'associations. Le souci, c'est que le local, on est obligé de l'abandonner. Il nous coûte trop cher, on redémarre à zéro, comme si on n'avait plus rien en fait. On est parti sur l'idée d'acheter un camion électrique avec une remorque où nous pourrons mettre tout notre matériel. Au lieu que ce soit les personnes handicapées qui viendraient dans le local, c'est nous qui irons partager des activités de loisirs avec elles sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail. Donc on a vraiment mis tout notre courage et tout notre ardeur à pouvoir postuler pour ce prix Boost. Cette association, c'est ma famille, c'est ma seconde famille en fait pour moi. Grâce à Vas-y, j'ai fait autour du monde. J'étais partie au basket à Los Angeles et à Abu Dhabi, aussi alpin en Autriche et aussi en Corée. La rencontre avec le parrain, c'était génial. Philippe peut nous aider à continuer notre recherche de financement à travers les réseaux sociaux. On espère qu'il puisse nous faire connaître auprès des salariés, auprès des adhérents d'Harmonie Mutuelle, pour qu'on puisse faire des choses ensemble.